Ceci est la dernière des trois sénates. Lycelle, Lycelle, vous avez bien pensé au potage? Attention à la viande, pas trop cuite. Et les légumes seront servis sur le plateau de ma grand-mère. Avez-vous pensé au vin? Allez demander conseil à monsieur. Il saura mieux vous dire que moi. Le docteur m'a dit de prendre une bouteille de blanc dans la cave. Allez lui montrer celle que vous présenterez à nos invités. C'est plus sûr. Mais ma tante, vous faites trop de soucis. Tout est déjà préparé et cela se passera bien. C'est un jour très important pour toi. Nous rencontrons officiellement ta future belle-famille. Certes, mais tout est prêt. Ils n'auront qu'à venir. Ma chère nièce, ils viennent de la France de l'intérieur. Là-bas, tout est différent. Tu sembles oublier ce que nous t'avons appris sur le savoir-vivre des Français. Tout est élégance et raffinement dans leur façon d'accueillir, de se comporter en société, dans la manière de se vêtir. Aurais-tu oublié la mode de Paris? Un jour, tu habiteras là-bas. Je t'envie, la France. Enfin, dès que le docteur voudra bien quitter pour quelques jours sa clientèle, nous viendrons te rejoindre dans ta nouvelle nation. Oui, ma tante. Madame, madame, une voiture vient. Soyez les bienvenus dans notre demeure, mes amis Pierre-Henri, Madame, et enfin, le beau Théodore. Cher docteur, quelle joie de vous rencontrer. Avez-vous fait un bon voyage depuis notre bonne vieille France? Comment va-t-elle? La France? Fort bien, mon ami. Il y a quelques jours que je suis en Alsace pour travailler dans la filature. Et je suis vivement impressionné par toute la militarisation et l'industrialisation amenées par le Reich depuis que nous avons cédé cette belle région en 1870. C'est vrai. Les fonctionnaires du Reich s'efforcent de germaniser le pays. Mais des voix s'élèvent parmi les nôtres. Dites-moi, quelle est votre fonction dans la filature? Je pense pouvoir améliorer la rentabilité de l'entreprise en me basant sur les travaux d'un Américain. Un certain Frédéric Taylor. Et que propose cet homme? Il propose une organisation scientifique du travail en cherchant à définir la meilleure façon de produire et permettre ainsi un rendement maximum. Il faut passer par l'analyse des gestes, l'analyse du rythme et des cadences de travail. Taylor rencontre une grande réussite dans l'industrie automobile, la sidérurgie. Alors, pourquoi pas dans une filature? Et l'homme dans tout cela? La santé des ouvriers est-elle seulement prise en compte? J'ose espérer que oui. Mais goûtez-moi plutôt ce petit vin d'Alsace, mon cher Pierre-Henri. Vous m'en direz des nouvelles. Succulent, splendide.
à nous faire encore regretter davantage la défaite de 70. Mais dites-moi, cher ami, depuis mon séjour en Alsace, j'entends parler d'un système de sécurité sociale. N'est-ce pas là une forme d'utopie? Et peut-être même un système pernicieux qui donne de plus en plus de pouvoir aux salariés? Dans le Reich, il existe un grand nombre de caisses mutuelles de protection sociale. Mais, rassurez-vous, mon cher Pierre-Henri, ces caisses participent efficacement à l'amélioration sanitaire et sociale de la population. Quelle élégance, madame. C'est un ravissement. Même les dames de la cour de Guillaume II, de passage dans notre ville, lors de l'inauguration du Haut-Königsbourg, n'avaient pas d'aussi belles toilettes. Et ce chapeau, de la soie d'Indochine, madame, présent offert par mon bien-aimé oncle Hué, qui a parcouru tout le Vietnam pour me l'offrir. Et confectionné, si vous le saviez, ma chère, par un des plus talentueux stylistes renommés de Paris. Voilà tout le secret. Dites-moi, madame, il paraît que vous auriez à Benfeld un établissement de bain réputé dans toute l'Europe pour se faire soigner par l'hydrothérapie. Est-ce vrai? Effectivement, le docteur Sieferman fait des merveilles avec ses traitements basés sur l'utilisation de l'eau à des températures variables. Hâtons-nous de nous mettre à table. Le voyage vous a sans doute ouvert l'appétit. Qu'ils sont timides, nos tourtereaux. Il faudra bien vous parler un moment ou un autre. Cela viendra assez rapidement. N'ayez aucune crainte, madame. Ils sont jeunes. Ils ont le temps. Que Théodore termine d'abord ses études et prenne une bonne fonction dans le monde des affaires. Certes, l'industrialisation est à ses prémices. Tout reste à faire. Vous verrez, ils trouveront leur place dans cette France en pleine mutation. Docteur Jäger, un groupe d'ouvriers accompagne un des leurs. Il a eu un accident dans un atelier. Apportez le blessé, je m'en occupe. Mais mon cher, pas maintenant. Nous recevons des invités. Ma chère épouse, je crains que le blessé ne puisse attendre la fin de notre repas. Comment cela est-il arrivé? Il est tombé de belle hauteur, avec l'installation d'une cheminée supplémentaire. Ils veulent nous imposer de nouvelles cadences. Ils nous pressent comme des citrons. Alors que je suis certain qu'ils n'ont aucune expérience du travail au quotidien. Mesurez vos propos, jeune homme. Vous êtes bien seul sans bornes. Mais je le reconnais. C'est lui qui a imposé les nouvelles cadences. Ayons, il est là celui qui nous pousse à travailler encore plus dans des conditions inhumaines.
Sous l'effet de l'émotion, ta femme vient d'accoucher d'un beau petit Alfred, tout rose et tout fripé. Voilà donc qu'Alfred vient de naître dans cette période de grande mutation en ce début du XXe siècle. Sa vie ne sera pas des plus faciles. Il prendra part à la Première Guerre mondiale, à l'issue de laquelle il deviendra français. Plus tard, en 1939, ses enfants seront à leur tour enrôlés dans l'armée française. Ce sera l'occupation et Alfred redeviendra allemand. Avec soulagement, il vivra la libération de 1945, mais qui malheureusement entraînera la destruction de plus de 40% des bâtiments de la ville. Enfin, à nouveau français, il connaîtra les Trente Glorieuses avec leur essor économique sans pareil, alors que déjà, il entamera les dernières années de sa vie. Applaudissements qui nous vont droit au cœur. Pour que nous puissions nous présenter ainsi devant vous, il faut savoir que beaucoup de personnes ont longuement travaillé dans l'ombre. Tenez, par exemple, si nous étions venus en costume de ville pour jouer ce soir, ça n'aurait pas été pareil. Mais grâce à Martine et à Marie-Claire, nous avons des costumes qui collent pile poil à notre époque. Imaginez également que nous, pauvres néophytes en théâtre, nous soyons obligés de déclamer nos textes, il y aurait certainement beaucoup de blanc. Eh bien non, ce n'est pas nécessaire, car Pascal et Jean-Jacques de Benfeld TV ont mixé et nous ont enregistré et ont mixé nos voix avec la jolie musique que Pascal, notre Pascal, a inventée pour les scénettes et nous en sommes les seuls destinataires. Donc merci à eux, ça nous permet donc de nous concentrer uniquement sur notre jeu et même les jeux de scène, cela ne va pas de soi pour nous. Nous avions besoin de metteurs en scène. Nous avions Bruno et nous avions également celui qui est l'auteur des scénettes, celui qui a les scénettes dans la tête, dans le corps, dans les tripes. Merci mesdames et messieurs d'applaudir Jackie Wolfhart. C'est grâce à lui que nous sommes là ce soir et Jackie, j'espère que nous serons là l'année prochaine. Ah, peut-être. En tout cas, grand merci d'être venu nous applaudir ce soir. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Et je vous invite à continuer à participer à toutes les festivités de Benfeld à l'occasion des fêtes du Stubenhansel. Merci et à bientôt, à l'année prochaine en tout cas.